Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau conseil sur la chaîne grâce à Brassens. Comme le thème de l'amitié, c'est celui qui trône sur notre groupe Facebook Le Piano au bout des doigts. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre Les copains d'abord de Brassens. Comme on connaît déjà pas mal la pompe et qu'on l'a vu dans beaucoup de morceaux, je me suis dit que c'était intéressant pour vous de savoir comment accompagner une mélodie avec la pompe. Donc on va plutôt avoir un travail sur la main gauche. Et aujourd'hui, on va essayer d'accompagner le thème avec une main gauche en pompe. Mais comment faire quand vous n'avez pas la partition? C'est ce qu'on va voir en détail dans ce morceau, dans cette capsule. Si vous êtes content de retrouver mon conseil, laissez-moi un petit pouce bleu sous la vidéo et abonnez-vous pour retrouver toutes les prochaines astuces que je mettrai en ligne spécialement pour vous. Pour jouer ce thème de Brassens, on va avoir 5 accords à connaître. Je vais vous les montrer à la main gauche, ensuite on apprendra le thème. Et on commencera déjà par jouer les accords plaqués pour bien avoir les mesures en place. Une fois que ce sera fait, on viendra ajouter une main gauche dynamique avec la pompe fidèle à la guitare de Brassens. Les positions à connaître sont faciles à la main gauche puisque on va avoir des positions parfaites. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les accords, à la main gauche, retrouvez ma formation Objectif Piano numéro 1 qui se trouve dans la description de la vidéo ou sur mon site deschansonsaubouddesdoigts.com. Première position, un accord de Ré majeur, Ré, Fa dièse, La. Attention au doigté, il est important car par la suite on aura besoin du petit doigt, donc on va le dégager pour jouer cette position parfaite avec annulaire, index et pouce. Ensuite, je vais me décaler d'une touche, je vais faire un Mi majeur, Mi, Sol dièse, Si. Ensuite, on va avoir aussi un accord de Sol majeur. Sol, Si, Ré. Un accord de Fa dièse majeur, Fa dièse, La dièse, Do dièse, trois touches noires. Et on va aussi rencontrer un Si mineur. Si, Ré, Fa dièse. Une fois que vous avez ces cinq positions sous les doigts, vous êtes capable d'accompagner ce morceau de Brassens. Bien sûr, il y aura un petit travail de coordination à ajouter quand même en plus. Comme la partition de la mélodie s'affiche directement sur l'écran, je vous propose de la jouer directement au métronome à 100 à la noire. 1, 2, 3, 4. Si je plaque maintenant les accords sous la mélodie, toujours à 100. Essayer de faire maintenant, c'est de varier notre accompagnement pour être fidèle à la guitare de Brassens. Si je joue en accompagnement, on aurait la même grille d'accords, sauf que à la main gauche, je jouerai la basse de l'accord. Si je joue par exemple mon Ré, je jouerai le Ré et j'alternerai avec sa quinte, c'est-à-dire 5 notes plus loin, 1, 2, 3, 4, 5, le La. Au lieu d'aller le chercher dans les aigus, je le prendrai en dessous. J'alternerai sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Je
etc., etc. Sauf que là, on va voir ce même accompagnement dans une seule main. Comment faire ? On va donc plaquer l'accord parfait, mais on va le jouer en accord brisé, la basse contre deux notes, et je vais alterner une fois la basse, une fois la quinte avec le petit doigt. 1, 2, 3, 4. Ce qui me donnerait... Et pour chaque accord, ce sera pareil. À 100. Et maintenant, à vous de jouer, on va essayer de superposer et notre accompagnement en pompe et notre mélodie. Pour ça, il faut ralentir le tempo. Pour la synchronisation, je me mets à 80. Et on y va. Je coupe la mélodie en deux pour pouvoir enchaîner. Et ensuite, ce sera à vous de jouer. Ensuite, à vous jouer, et vous pourrez utiliser cet accompagnement en pompe pour tous les morceaux qui peuvent avoir cette dynamique, comme Un homme debout, Riche, aussi on pourrait avoir John Lennon, etc., etc. À vous de l'utiliser où vous le souhaitez. J'espère que ce tutoriel vous a plu, si c'est le cas, likez en dessous de la vidéo et laissez-moi votre commentaire. Pour plus de détails et plus de cours en ligne, je vous propose de me rejoindre sur le site deschansonsaubouddesdoigts.com. Toutes les informations sont dans la description de la vidéo. Bon piano !